Donc tu me feras signe quand je peux y aller. Ce sera la deuxième prise. Ça tourne. Ok. Alors la femme prise 2. La femme, à sa demande, elle n'est volontairement pas nommée. Sa recherche d'anonymat, ça, excuse, j'ai l'impression qu'il grince ton fauteuil et que ça a dû l'enregistrer. C'est terrible. C'est affreux comme. De toute façon, ça, on aura Il dû faut fermer. vraiment qu'on soit dans une cage. T'as pas coupé? À sa demande, elle n'est volontairement pas nommée. À sa demande, elle n'est volontairement pas nommée. Sa recherche d'anonymat est à l'image de sa vie, sur laquelle nous disposons donc d'assez peu d'informations. Pas très bon, ça. Sa recherche d'anonymat est à l'image de sa vie. Sa recherche d'anonymat est à l'image de sa vie sur laquelle nous disposons. Ah là là. Elle est née dans les années 70, fillette solitaire. Elle ne trouva jamais réellement sa place entre un père équarisseur et une mère tombée en dépression suite à la mort de son premier enfant. Délaissée par ses parents, elle a grandi avec un grand manque d'amour et de tendresse. Alors elle s'est réfugiée dans ses rêves de bonheur, d'un amour passionnel et fougueux, qu'elle partagerait avec l'homme de sa vie. Alors, elle s'est réfugiée dans ses rêves de bonheur, d'un amour passionnel et fougueux, qu'elle partagerait avec l'homme de sa vie. Nous ne savons rien sur sa rencontre avec l'homme qui deviendra son mari. Malgré leur amour réciproque et malgré le souhait de l'homme, elle refusera toujours de porter un enfant par peur de répéter les manques de ses parents. À partir de ce mariage, très heureux les premières années, quelques rares témoins affirment que le couple s'est délité peu à peu, s'enfonçant dans une routine, en manque réel de projet commun. Le dialogue entre eux s'est progressivement interrompu. Et par crainte de tomber enceinte, leurs relations sexuelles se sont espacées jusqu'à devenir inexistantes. Elle se réfugie alors dans ses fantasmes, mais visiblement sans jamais tromper son mari. Et puis il y a eu cette maison. Cette maison et cette cave. Cette cave avec un trou dans l'un de ses murs. Je vais pas la réécouter et je vais enchaîner sur une autre manière de le dire. On va couper ça, on va couper ça.